Sur Miracle Universe, nous voici sur Stellar Blade, la dernière sortie PS5 développée par Shift Up. Et ici, je vais aborder non pas une optimisation puisque nous sommes assez limités, donc étant sur PS5, mais je vais aborder plutôt un guide sur les bases du combat qui sont peut-être pas forcément bien expliquées en jeu. Et je vais expliquer aussi toutes les subtilités donc du point fort de Stellar Blade, qui est évidemment donc tout ce core gameplay et ce système de combat. Alors avant toute chose, il y a quand même quelques paramètres indispensables à régler. C'est ce que l'on va faire dans même pas 30 secondes, mais je tiens juste à préciser que j'ai enregistré sur PS5 avec un autre micro, donc la qualité sera un petit peu moindre et je m'en excuse. Voilà, merci, c'est parti pour les paramètres. Buteur automatique, c'est super important, mettez-le sur activé. Ça, c'est le plus important d'ailleurs des paramètres à mettre. Commande ici, c'est à vous de voir. Néanmoins, je vous préconise de mettre verrouillage automatique en combat activé. Le son. Donc ça, c'est à vous de voir. Affichage, si vous avez l'HDR, vous l'activez, vous pouvez le paramétrer juste ici. Voilà. Alors, les graphismes, très important, vous avez trois modes. Résolution, performance et équilibré. Le meilleur, pour moi, c'est l'équilibré. Honnêtement, on est quand même sur un jeu d'action, donc je vous déconseille de mettre résolution, pardon. Mais équilibré est totalement viable, on est sur du 60 fps, donc sans souci. Si vous voulez plus de fps, plus de fluidité encore, bah, mettez sur performance, mais vous allez vraiment perdre en immersion, c'est un peu dommage, car le jeu, pour le coup, est plutôt joli. Hein. Donc, et ce mode équilibré est vraiment bien fait, donc était bien optimisé. Niveau du flou cinétique, il va être de base à 10, baissez-le à 5. Au niveau du grain cinématographique, désactivez-le. Aberration chromatique, désactivez aussi, vous savez bien. Je suis allergique à ces deux options sur n'importe quel jeu, que ce soit sur PC ou sur PS5. Sous-titres et langues, c'est vous qui voyez. Interface ATH, moi je le mettrai toujours activé, surtout au début. Le temps de vous familiariser avec les différentes informations et les différentes jauges. De toute façon, on va voir juste après à quoi correspond chaque jauge, justement. Et alors, le fond de l'ATH, je vous préconise de mettre suractivé aussi. Pour plus de visibilité. Voilà, ici, ça va reprendre un petit peu toutes nos options. Je vous préconise juste de mettre ici verrouillage automatique en combat.
Comme ça, voilà. Dès qu'il y a un ennemi à portée, il sera d'office verrouillé et vous pourrez changer le verrouillage très facilement avec la gâchette droite. Au niveau des QTE, si vous êtes allergique aux QTE, il faut savoir qu'il y en a pas mal sur les boss. Mais elles sont vraiment très simples. Donc, soit vous les désactivez et ça va rendre peut-être les combats plus fluides. Ou soit vous laissez suractiver, moi ça me dérange pas. Donc, je laisse suractiver. Et on a fait le tour des paramètres, on se retrouve en jeu. Je vais aborder tout de suite le vif du sujet, c'est-à-dire les compétences. Donc, tout d'abord, on va aborder les trois jauges qu'on voit en bas à gauche. BE, ça correspond à votre énergie bêta, ce qui va vous permettre de faire des attaques spéciales. HP, c'est votre vie. Et SH, c'est votre bouclier. A savoir que les ennemis ont un bouclier aussi. Et il y a des méthodes pour briser leur bouclier plus rapidement. Ça, je vais vous montrer ça après. Maintenant, on va rentrer au niveau de l'exploration. Vous pouvez appuyer sur le pavé tactile, super important, pour voir éventuellement des ennemis qui sont cachés, etc. Au niveau vraiment de la base, bon, il y a évidemment l'attaque ruée avec le bouton triangle, voilà, ici, qui a un temps de recharge. C'est pour ça que pour moi, je considère ça comme une attaque. Voilà, ça vous permet vraiment de vous rapprocher très rapidement d'un ennemi et de lui faire une attaque en même temps, mais c'est un temps de recharge qui ne consomme pas de points bêta, donc votre jauge bêta ne bouge pas. Par contre, les attaques spéciales, comme on va le voir après, qu'on utilise avec L1, elles vont consommer des points bêta qui vont se recharger soit par vos coups, soit par vos esquives ou vos contres. Donc vraiment, il y a un système de contres et d'esquives assez élaboré dans le jeu. Les contres à la Sekiro et les esquives, c'est encore autre chose. Alors, on va tout de suite voir les compétences à débloquer dès le départ. Faut savoir, voilà, ici vous allez avoir au tout début trois arbres. Voilà, où vous pourrez acheter donc des compétences. Donc l'arbre bêta, l'arbre d'attaque et l'arbre de survie. Au tout début, concentrez-vous sur l'arbre bêta et l'arbre de survie. Pourquoi l'arbre de survie tout d'abord? Parce que l'arbre de survie va vous permettre d'avoir concentration améliorée qui va vous permettre de faire des parades parfaites avec un timing, on va dire, moins serré. Et donc c'est vraiment indispensable. Vraiment, vraiment indispensable de débloquer concentration améliorée qui va vous coûter ce qu'on appelle des SP, donc points de compétence. Vous voyez par exemple moi en haut à droite, je suis à 42%. Lorsque on atteint 100%, à force de battre des ennemis, on débloque, donc je serai à 100%, j'aurai un point de SP. Là, ça en demande deux. C'est la première compétence que vous devez débloquer lorsque vous commencez le jeu. Vraiment gros, gros conseil. Deuxième compétence au niveau des esquives, esquive parfaite et surtout éclipse. Vraiment, encore une fois, ça vous demande aussi un SP ici, un SP ici aussi. Ça va vous permettre donc d'esquiver complètement donc les attaques des ennemis au lieu de les parer. Donc c'est une alternative à la parade. Là, Eclipse, par contre, c'est autre chose. C'est des attaques qu'on ne peut pas parer. C'est-à-dire que l'ennemi aura une aura bleue et là, vous aurez un petit délai donc pour faire éclipse et passer dans le dos de l'ennemi. On verra ça juste en combat, donc en pratique juste après. C'est indispensable et je dirais même, c'est un peu dommage que c'est pas que ça a débloqué en fait, parce que c'est vraiment une compétence indispensable. Mais bon, que soit. Et ensuite, on a encore une compétence tout aussi indispensable qui s'appelle répulsion. Une espèce d'esquive coup sur les attaques imparables des ennemis. Donc celles-là, elles auront une aura de type mauve. Et on va voir ça juste après aussi en pratique. Donc voilà, dans l'ordre,
concentration, et puis on s'occupe des esquives. Hein. Vraiment, c'est indispensable. Une fois que vous avez fait ça, donc au niveau de la survie, le reste, ça sera débloqué d'office. Donc ça vous permet d'avoir une recovery lorsque vous êtes expulsé, etc. Mais ce sera déjà débloqué. Et je trouve que c'est ça qui aurait dû être débloqué de base, parce que c'est des mécaniques vraiment indispensables pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, encore une fois, c'est un peu bizarre que ce soit à débloquer, mais bon, que soit. Maintenant, on passe sur l'aspect bêta. Donc, là, de base, vous allez avoir cette attaque-là qui va être débloquée. C'est une attaque circulaire que vous pouvez charger, qui est très efficace, notamment sur les groupes d'ennemis. Et vous aurez triplé ici, qui est assez efficace pour étourdir les ennemis, voire interrompre leurs attaques. Maintenant, vous avez deux autres attaques qui, pour moi, sont vraiment, vraiment indispensables, puisque je vous ai dit juste avant que les ennemis avaient un bouclier. Et bien, pour parer à ça, vous avez brise-bouclier, tout simplement, qui est une attaque très, très, très importante. Car elle peut, si elle est maxée, parce que vous pouvez évidemment la maxer, en deux, si vous arrivez à placer deux ou trois fois cette attaque sur un boss, vous pouvez briser complètement son bouclier et lui faire beaucoup plus de dégâts. La seconde compétence, c'est Onde de choc, qui est très importante aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, les ennemis, ça, c'est un peu, je vous montrerai ça plutôt en pratique, mais en fait, c'est lié à répulsion. En fait, vous voyez ici que lorsque vous faites une répulsion, l'ennemi a un point faible en fait. L'ennemi expose un de ses points faibles. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes avancé assez bien dans le jeu et vous avez une arme qui permet de tirer apparemment à distance. Mais en général, quand on est au début du jeu, on n'a pas d'arme. Donc, on va utiliser répulsion. Onde de choc, pardon. Qui permet d'attaquer à distance, et je vous préconise même de l'améliorer, donc c'est-à-dire la puissance ici. Et donc cette onde de choc donc va vraiment être efficace pour attaquer les points faibles des ennemis. Maintenant, on va voir un petit peu en pratique tout ça. Bon, on va d'abord les bases. Il faut savoir que les hitbox sont très très précises. Donc ça veut dire, par exemple ici, si je saute, voilà, je saute, l'ennemi ne m'a pas touché. Combat de base, donc manuel combat de base. Ah, vous avez attaqué, bouclier, bloqué, esquivé, la notion d'équilibre. Tout est ici. Dans le mode entraînement. Tout d'abord, on analyse les trois barres de vie de l'ennemi. Donc, il a une barre blanche, c'est ses HP. Il a une barre bleutée, c'est son bouclier. Et il a une barre des petits points jaunes, c'est sa jauge d'équilibre. La jauge d'équilibre va baisser en fonction de vos parades. La barre bleutée va baisser en fonction des attaques que vous faites et des compétences spécifiques, notamment celle-ci, brise-bouclier. Le bouclier, une fois à zéro, va mettre un petit peu à mal l'ennemi puisque vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts. Mais ça vaut aussi pour vous, votre personnage aussi. On a un bouclier, s'il est à zéro, on prend beaucoup plus cher aussi. On va avoir donc les bases, c'est-à-dire parade donc avec L1 ou parade parfaite. Vous n'êtes pas obligé de faire des parades parfaites tout le temps. Mais vous voyez que ça fait quand même baisser sa jauge d'équilibre. Ce qui va me permettre de faire ça. Une attaque très puissante qui s'appelle Châtiment. Alors, si vous êtes loin de l'ennemi, vous avez deux possibilités de vous rapprocher, soit de ça. C'est-à-dire ruée, mais le problème de ruée c'est qu'elle a une jauge de recast, mais vous pouvez tout simplement courir vers l'ennemi en fait.
il n'y a pas de jauge d'endurance. Donc ça, c'est vraiment important d'être très mobile. Voilà. Les deux premières compétences que vous allez avoir. Alors, la première, c'est L1 triangle taillade croisée. Vous pouvez la charger d'ailleurs. Non, c'est taillade tout simplement, pas taillade croisée. Et vous avez une hyper armor, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. La deuxième, c'est celle-ci. C'est. Triplé. Elle va vous permettre d'interrompre en fait une séquence d'attaque de l'ennemi et de l'étourdir au passage. Donc c'est vraiment utile. Hein. Mais c'est pour moi, c'est pas les compétences les plus utiles. Les plus utiles, c'est celles que vous allez débloquer, celles que je vous ai préconisé de débloquer. Alors, au niveau des parades, donc, on a les parades parfaites, donc comme je vous l'ai montré avant, on a aussi les esquives. Et donc vous pouvez mixer esquive et parade. Esquive, c'est quoi? C'est appuyer sur rond au dernier moment. Ah, et voilà, là il est explosé et en général. Ah, j'ai un petit peu tardé. J'allais vous illustrer la technique. L'excellente technique onde de choc qui est très puissante lorsque l'ennemi est exposé. A explosé son point faible en fait. Et là c'était le cas, donc soit j'avais châtiment ou soit. Utiliser justement ça. On va réduire son bouclier déjà. Hop. Voilà, vous avez vu les dégâts, c'est très très puissant. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de. Je vous ai préconisé justement de la débloquer cette attaque parce qu'elle est vraiment vraiment puissante contre. En combo justement avec ce que je vais vous montrer maintenant. Ici maintenant, il va se calmer. On se calme. Alors j'espère que ça fait pas trop d'informations à assimiler, mais n'hésitez pas à aller dans le guide du jeu, hein, qui est vraiment très bien fait. Évidemment, il y a des combos aussi. Comme dans tout beat'em all, hein. Le jeu est vraiment un mix entre un beat'em all et un. Oui, un jeu un petit peu à Sekiro, quoi. Pas vraiment, c'est pas du tout un Souls, mais c'est un jeu un peu à la Sekiro. Assez exigeant quand même. Alors, on va voir maintenant les attaques spéciales. Il y a deux types d'attaques spéciales. Les attaques bleutées. Donc ce sont des attaques où il faut faire une esquive. On va dire où on passe dans le dos de l'ennemi. Et c'est une esquive qui fait avant, qui se fait par avant et rond. On va voir ça tout de suite. Et l'attaque mauve, ça c'est les attaques plus puissantes, ce qui sont aussi des attaques imparables. Et là il faut faire arrière, donc il faut vraiment laisser le stick gauche arrière et faire rond. Et là, comme je vous l'avais dit auparavant, dans l'arbre, vous allez débloquer donc répulsion. Et c'est répulsion qui va vous permettre ensuite
de mettre l'ennemi en état de faiblesse. Donc c'est avant Héron ou avant Héron. C'est parti. Attaque spéciale. Voilà. Ça c'est répulsion. Et ensuite vous utilisez la fameuse attaque onde de choc qui fait des dégâts supplémentaires sur les points faibles. Et ça, c'est l'autre attaque qui vous permet de passer dans le dos de l'ennemi. Voilà, c'est Eclipse, j'ai oublié le nom de l'attaque. Donc voilà, Eclipse, attaque bleue, répulsion, attaque de type mauve. Deux attaques indispensables, je comprends pas du tout pourquoi elles ne sont pas intégrées directement dans le jeu, mais voilà. Et donc voilà, donc c'est soit avant rond ou arrière rond. Répulsion. Voyez, si j'attaque son point faible comme ça, c'est pas aussi efficace que de lui faire une onde comme ça. Une onde de choc. On va lui briser. Hop, pas dans son dos, vous voyez? Eclipse est avant rond, donc vous attendez vraiment le moment. J'essaierai peut-être au montage de vous faire un petit ralenti. Mais vous allez voir l'épée en fait de Ève qui va devenir mauve ou bleue en fait. Et c'est à ce moment-là que vous devez faire avant rond ou arrière rond. C'est vraiment, vraiment à ce moment-là. Pas quand l'ennemi devient mauve. Il y a un petit délai en fait. Évidemment, vous pouvez faire aussi des esquives normales. Hein. C'est-à-dire juste rond, quoi. Alors, un petit tips aussi, si l'ennemi fait une attaque bleutée, vous pouvez quand même continuer un combo, par exemple, et faire la... Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. En fait, c'est assez difficile, il faut vraiment être dans le flow. Hein. Hop. Et voilà. Et je pense que voilà, on a couvert un petit peu vraiment le cœur du système de combat. Évidemment, j'ai pas accès à. Il y a encore deux roues de compétences qui ne sont pas accessibles. Parce que je ne suis pas assez loin dans le jeu. Hein. Je suis. En fait, je suis au niveau de la démo, en fait. Je sais pas. Je viens de battre. Ah oui, j'avais battu le boss spécial de la démo, mais c'est. Je ne suis pas assez avancé pour avoir débloqué les deux autres arbres de compétences. Donc, on va dire que c'est un guide des bases, vraiment. Vraiment des bases. Parce que là, vraiment, si vous ne maîtrisez pas, surtout les esquives répulsion et éclipse, si vous ne les maîtrisez pas, ça va être très très compliqué pour vous. Comme ça l'a été pour moi, au début j'avais vraiment pas compris en fait. Je comprenais pas comment esquiver correctement. Je faisais un petit peu ça au pif. Et en fait non. Alors ici on va mettre toutes les attaques, je vais faire un combat normal. Hop. Oui, et je vais surtout ne pas mettre l'énergie infinie. Et on finira par un boss. Voilà. Vous voyez ici je n'ai pas d'attaque spéciale. Voilà. Là vous pouvez esquiver hein, quand les attaques spéciales au loin comme ça ou courir. Je voulais vous montrer une dernière chose, c'est avec Eclipse. C'est vrai qu'avec lui, c'est peut-être
pas évident, mais en fait, vous pouvez commencer un combo. Vous pouvez commencer un combo en fait. Ouais. Et ne pas faire éclipse directement, attendre. Voilà. Ouais, c'est exactement ce que je voulais montrer en fait. C'est-à-dire que si vous avez vu, s'il faut aussi au montage je vous ferai un petit ralenti. Mais en fait j'ai continué à taper et j'ai fait éclipse pour finir mon combo en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire éclipse dès que votre épée est bleutée en fait. Voilà. On en a fini avec ce long tuto. Il faudra que je fasse des cuts parce que j'ai encore digressé. Mais voilà, c'est hyper important que vous saisissiez vraiment ces bases quoi. Bah voilà, en bonus vous aurez peut-être un boss. Et j'espère en tout cas que ça vous a aidé. Et je vous souhaite vraiment un bon jeu sur cet excellent action beat'em all Sekiro-like. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao!